ils tombent, les uns après les autres, et on les laisse tomber. La phrase me revient dans l'escalier. Chaque fois que je me rends chez Fred, c'est plus fort que moi. Je stresse à l'idée de ce qui m'attend. Je ne serais pas surpris que ce soit lui le domino suivant. Ils tombent, les uns après les autres, et on les laisse tomber. C'est le constat que Vicky avait fini par faire au bar du privilège la nuit dernière. Sa robe en lame et argent scintillant dans les feux de lumière. Elle fixait son reflet dans le miroir au-dessus des bouteilles, défoncées, en équilibre précaire sur ses talons. Les coudes sur le comptoir, moi, j'étais tourné vers la piste, aussi déchiré qu'elle, les mâchoires verrouillées par la drogue. Vicky, qui le jour ne s'appelle pas Vicky, venait de me raconter la triste fin de son ami Nino, qu'on avait retrouvé mort dans sa chambre de bonne à Pigalle, étendu au travers du lit, une seringue plantée à la pliure du bras, les yeux ouverts sur la lucarne. Un sourire aux lèvres, avait ajouté Vicky, sa robe en lamé argent scintillant dans les feux de lumière. Nino, un petit mec aux cheveux courts peroxydés, tout juste la vingtaine, le visage fermé, ravagé, un teint pâle à en faire peur et de grands yeux verts remplis de désespoir. La jeunesse qui se crame. En se pinçant l'arête du nez pour s'éviter de pleurer, Vicky avait laissé filer son verre entre ses doigts. Il avait éclaté en silence sur le sol en béton, sans qu'on ait eu ni elle ni moi la moindre réaction. D'un geste, Vicky avait indiqué au barman de la resservir en articulant le mot champagne. La soirée avait du succès. La piste était pleine et je regardais les danseurs sans les voir, essayant d'intégrer la nouvelle. Mais plus j'essayais, plus il était clair que l'overdose de Nino me laisserait froid. Sa mort glissait sur moi. Vicky avait raison. Il y en a tellement qui tombent qu'on n'ose plus les compter. Mis à part ça, j'étais trop défait pour développer ma pensée. À quelques mètres de nous, je voyais Coco et Fred, pris d'un fou rire, bien perchés eux aussi. Coco, qui rentrait de sa nuit de tapin au bois, la perruque de travers, les collants troués et un vilain mascara, devait en avoir sorti une bonne. Parce que Fred était adossé contre un pilier, hilar, la bouche tordue, et tout en se marrant, il débouchait une fiole pour se la coller sous le nez. À côté d'eux, Hervé et Denis dansaient face à face, les yeux fermés. J'aurais pu confier à Vicky que je craignais le même scénario sordide pour Fred. Elle connaissait la situation. Personne ne donnait cher de sa peau. Debout, sur une table basse, un mec bodybuildé en maillot de bain, le corps entièrement huilé, se déhanchait en prenant des poses mécaniques exagérées, les cheveux trempés, la gueule démontée en pleine extase. Vicky se mordait la lèvre sans quitter des yeux son reflet. J'avais envie de lui expliquer qu'on ne voyait jamais la chose arriver, qu'on n'avait pas tous assez de force pour tenir. Mais j'ai renoncé. À cause du son puissant à s'exploser les tympans, à cause de la drogue aussi, à partir d'un moment, ça n'incite plus à communiquer. Vicky m'apparaissait de profil dans le crépitement des flashs, avec ses formes parfaites, troublantes de beauté dans sa robe en lamé argent qui scintillait dans les feux de lumière, sa peau d'ébène, et son crâne rasé, ses yeux de biche couronnés de fossiles et ses pommettes pailletées. Des larmes coulaient le long de ses joues. Sur la piste de danse, les gens bougeaient bizarrement, leurs corps désarticulés dans les rayons de laser. On aurait dit des revenants. En sachant que tu allais venir pour m'enregistrer toute la semaine, j'ai voulu rassembler mes souvenirs, mais ce n'est pas facile de mettre de l'ordre dans ce bordel. On est en 2000, ce n'est pourtant pas si vieux, Alex est mort il y a 5 ans. Du coup, le mieux, c'est sans doute de commencer par le commencement. Donc, comme tu le sais, ça s'est passé un dimanche. Je me souviens de la date, c'était le dimanche 15 octobre, 95. Ce soir-là, vers minuit, je reçois un coup de fil de Lulu qui m'apprend qu'Alex est mort. J'ai dit que j'arrivais tout de suite. Michel, avec qui j'étais à l'époque, m'a descendu en bagnole. Une fois sur place, je lui ai suggéré de rentrer à la maison. Ce n'était pas la peine de rester, je me débrouillerais seul. De toute façon, il n'aimait pas beaucoup Alex et pas davantage Lulu. Je suis monté à l'appart et en entrant dans le salon, j'ai vu Alex de dos, couché sur le canapé, collé contre le dossier en chien de fusil. C'était bizarre, on croyait qu'il dormait. D'ailleurs, mon premier réflexe a été de vérifier son pouls. Lulu avait peut-être déliré, mais non. Il n'avait pas déliré. Le corps était froid.
Lulu était calme, enfin, disons, relativement calme par rapport à la situation. Il n'était plus défoncé, mais je suppose que tu redescends d'un coup dans ces cas-là. Je lui ai demandé de me raconter leur nuit. Ils avaient fini à l'enfer, cette boîte, sous la tour Montparnasse, qui porte bien son nom, soit dit en passant. Après, ils sont revenus dans le centre, pour l'after, au Monsters, un autre endroit qui porte bien son nom. Et en fin de matinée, en sortant du Monsters, ils ont acheté une plaquette de médoc sur le parvis de Beaubourg, m'a dit Lulu, à un mec qu'il ne connaissait pas, du Boscontin, un puissant antalgique à base de morphine. J'ai appelé les pompiers, qui ont très vite débarqué. Ils ont été cool, pas chiants. Ils ont constaté le décès, nous ont dit qu'il fallait faire venir les flics. Au passage, ils avaient vu les plants de cannabis et nous ont conseillé de les planquer. Je crois qu'on n'y a même pas pensé. Les flics sont arrivés et Lulu leur a raconté ce qui s'était passé. Pour lui, Alex était mort à cause d'un mauvais cacheton. Ils n'ont pas insisté, ils ont vérifié qu'il n'y avait pas de coup porté à l'arme blanche et que c'était bien une overdose ou un truc dans le genre. Lucien n'arrêtait pas de répéter. C'est pas possible. C'est pas possible. Les flics nous ont demandé de passer au commissariat pour enregistrer sa déposition. Pendant que les pompiers descendaient le corps sur un brancard, je me rappelle leur répéter de ne pas faire de bruit. Notre angoisse, c'était qu'ils réveillent Hervé. On ne voulait pas qu'ils découvrent ça au milieu de la nuit. Après leur départ, on est allé voir Anne, au premier, pour lui demander si on pourrait dormir chez elle quand on rentrerait du commissariat. Il était hors de question de laisser Lulu seule dans un moment pareil. J'attrape ma veste en jean et l'enfile au vol en partant. Claque la porte et dévale l'escalier. Dans mon dos, j'entends Jacqueline aboyer. En bas, je m'arrête au pied de l'arbre qui pousse dans un coin de la cour. Une plaque honore la mémoire de Charles, Abel, Émile, Eugène, Adolphe et Joseph. Des habitants de l'immeuble tombés sur un champ de bataille de la Grande Guerre. Des gamins morts avant d'avoir pu vivre. Et tombés aujourd'hui dans l'oubli, comme s'ils étaient morts une deuxième fois. Le souvenir se délave au fil du temps. Peu à peu, il s'efface et glisse dans le néant. Qui se souviendra d'Alex? Je m'élance à fond de train, tellement vite qu'en déboulant sous le porche, je fais peur à la concierge occupée à distribuer le courrier. Elle se plaque contre les boîtes aux lettres avec un cri de frayeur et me jette un regard assassin. Je n'ai pas le temps de m'excuser. Je franchis les grilles, tourne à droite et disparais. Je traverse la rue, puis l'avenue en courant, l'esprit confus et les yeux par terre, absorbés par la catastrophe qui nous tombe dessus. Si bien que je ne vois pas le feu au vert, je n'entends pas les klaxons, la voiture pilée et le connard au volant me hurler dessus par sa portière. Je pense à Alex, à Lucien, à tous les copains et... Alors que je sens les larmes monter le long de l'hôpital Saint-Louis, j'accélère pour essayer de les refouler. Je me mets à cavaler, comme un fou, jusqu'à perdre haleine et devoir m'arrêter pincé par un point de côté, la poitrine en feu. En reprenant mon souffle, des souvenirs refont surface. Je me revois dans la Golf de Lucien, lui au volant étirant sa grande bouche dans un sourire de grenouille, Alex à la place du mort devant, avec sa gueule de canaille et les pieds sur le tableau de bord. Willy et moi, sur la banquette arrière. On roule sur le périph à tombeau ouvert, en route pour Vincennes, se poser sur une pelouse et profiter du beau temps. Lunettes de soleil, vitres baissées, la techno pulse dans l'autoradio. Un joint circule alors qu'on est encore défoncé de la veille. Lucien conduit pourtant vite, mais Alex, qui en veut toujours plus, se marre comme un gosse et le pousse à accélérer. « Vas-y, Lulu !» Appuie sur le champignon, allez, allez, allez. Lucien lui suggère d'arrêter ses conneries, puis se fend d'un rictus et donne un coup de menton. Ok, accrochez-vous les gars, c'est parti. Il cale ses wayfarers sur le nez, empoigne le levier. On entend la boîte de vitesse craquer, le moteur de la bagnole se mettre à rugir. On rit tous les quatre comme des abrutis. C'était quand? Le mois dernier. Je m'étais promis de ne pas chialer. Merci beaucoup, Félix Marito. Merci.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être ici ce soir. On vient donc d'entendre le prologue et puis quelques pages qui se situent au tout début du dernier roman de Philippe Johanny, 95, qui est paru aux éditions Grasset. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Ce texte, 95, en fait, il peut se lire comme la suite de votre livre précédent, Comment tout a commencé. C'était le roman d'apprentissage d'un petit garçon dans les années 80, un petit garçon qui se rêvait majorette. Ce petit garçon a grandi et dans 95, en fait, ses amis meurent les uns après les autres. Ils tombent les uns après les autres. Le dernier en date, c'est donc Alex, comme on a pu l'entendre, retrouvé mort un matin, recroquevillé sur son canapé avec son compagnon Lucien à ses côtés. Et en fait, dans votre livre, on suit toute la bande d'amis d'Alex pendant la semaine qui précède l'enterrement. Et Hervé Guibert avait écrit Le mausolée des amants. Vous, on pourrait dire que 95, c'est le mausolée des amis, emporté par le sida et ses amis dont vous restituez admirablement les voix dans ce roman. Avant de débuter notre conversation, je vous rappelle juste que le livre, le roman de Philippe Johanny est en vente à la librairie en face de la Maison de la Poésie et que la rencontre sera suivie d'une séance de signature. Alors, je voulais commencer par cette question toute simple, Philippe. 95 paraît presque 30 ans après les faits qui sont racontés. Je voulais savoir quelle était la genèse du livre et pourquoi il s'était écoulé autant de temps entre les faits et l'écriture du roman. Parce que c'est un livre que j'ai conçu à l'époque pour une collection qui naissait, qui s'appelait Le Rayon, chez Ballan. Qui a été créé par mon ami Guillaume Dustan, écrivain et éditeur, mort en 2005. Et donc j'ai eu l'idée d'écrire cette semaine-là, en effet, qui avait eu lieu 3 ans avant, avant le démarrage de la collection. Et j'avais besoin d'informations. C'est-à-dire que je voulais, en effet, écrire cette histoire avec tous mes amis et pas les fictionnaliser, au contraire, il s'agissait de raconter l'histoire telle qu'elle s'était passée avec les gens. Donc j'avais besoin d'informations précises. Je savais globalement, dans les grands traits, comment est-ce qu'Hervé avait rencontré Denis, comment Denis avait rencontré Léon, etc., qui porte d'autres prénoms dans la vraie vie. Mais je n'avais pas les détails, donc je suis allé les interviewer. Et à chacun, j'ai posé les mêmes questions à savoir, comment as-tu rencontré Alex, le personnage mort central autour duquel l'action autour duquel le livre se construit, et quel souvenir as-tu gardé de cette semaine? Voilà, je me suis donc retrouvé avec une dizaine à peu près d'entretiens très longs. Je les ai retranscrits tout de suite, je les ai découpés, je les ai ordonnés, classés par thème. Il manquait plus que ma voix. J'avais fait lire les entretiens à Guillaume Dustan, qui avait été très enthousiaste, avait beaucoup aimé. Il m'avait dit, bon, maintenant, il n'y a plus qu'à écrire le livre. J'ai essayé plusieurs fois, mais je n'arrivais pas à placer ma voix. Je n'y arrivais pas. J'ai dû, malheureux, abandonner le projet, tout en sachant que je serais obligé d'y revenir plus tard. Et peut-être qu'il fallait de la maturité pour y arriver, en effet. Alors, le fait d'avoir été publié aussi précédemment chez Grasset, une belle maison, comme ça donne des autorisations symboliques. Et en effet, après, comment tout a commencé, il me semblait logique d'enchaîner avec ce qui se passe, évidemment, 10 ans plus tard. Oui. Alors, c'est peut-être l'occasion de parler du titre, 95, qui est... j'ai le livre Sans sa jaquette qui est écrit en toutes lettres. Pourquoi ce titre et pourquoi cette année-là, c'est celle de la disparition d'Alex, mais est-ce qu'il y a une raison plus générale à ce choix? Alors, il y avait un titre de travail, comme on dit, qui était Puisque c'était la fin, que je trouve très beau aussi, mais comme le précédent s'intitule Comment tout a commencé, je pouvais difficilement enchaîner avec Puisque c'était la fin. Il y avait des dates dans les entretiens, pas dans ma narration à moi, mais il y avait des dates dans les entretiens. Elles étaient composées au cours, comme on dit, c'est-à-dire avec des chiffres, 1, 9, 9, 5. Et dans la littérature, j'aime pas tellement les dates au cours, donc je l'ai développé. En déroulant ce mot 95, je me suis arrêté dessus. Je me suis dit, voilà, le titre, il est là. Alors, ça me donnait l'occasion, ou ça me permettait de placer le,
le texte tout de suite dans le champ, dans un champ historique, et celui des archives. On est en 2023, donc 40 ans après que le virus a été identifié. Donc voilà, 40 ans plus tard, on est en effet dans le domaine de l'histoire. On peut accueillir cette histoire plus calmement et avec plus de temps, quoi. Et, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Alors, si du coup j'ai lu 93 de Victor Hugo, évidemment, j'étais obligé. C'est pas celui que je préfère de Victor Hugo, mais j'ai trouvé dedans cette épigraphe, cette phrase qui est « Ce temps épique était cruel, nous étions des furieux ». Je trouve que ça résumait extraordinairement ce que nous étions tous à l'époque, quoi. Voilà, donc j'ai dédicacé, ou dédié plutôt le livre à Guillaume Dustan, ça me semblait la moindre des choses. Il y a eu aussi, quand 120 battements par minute est arrivé à Cannes, je ne sais plus l'année, Didier Lestrade a fait un post sur Facebook, la photo de l'équipe sur les marches de Cannes, et en commentaire il avait mis cette phrase, « Finalement, on ne vous aura pas beaucoup fait chier avec nos histoires ». J'ai trouvé cette phrase terrible, elle m'a fait aussi mal que de bien, et j'avais très envie de la mettre quelque part. Quoi. Et c'est l'autre épigraphe voilà, du roman. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'était aussi un moyen de mettre côte à côte, ou presque, Guillaume Dustan, Didier Lestrade, avec Victor Hugo au-dessus. Je procédais à une forme de réparation. Voilà, ça m'a beaucoup plu, ça aussi. Et on peut peut-être parler aussi tout de suite du dispositif particulier du roman. Alors, vous l'avez peut-être entendu à la lecture faite par Félix Marito, il y a plusieurs voix en fait qui se mêlent. Vous superposez la voix du narrateur, la voix des personnes que vous avez enregistrées, et il y a aussi plusieurs temporalités qui se superposent. Il y a ce qui se passe en 95, les enregistrements en 2000, et puis le présent du narrateur. Comment vous avez trouvé cette forme et selon vous, qu'est-ce qu'elle apporte à votre récit ? Elle peut embarrasser le lecteur. Pourquoi ? Il y a beaucoup de voix, quoi. Il y a beaucoup de prénoms et je crois que si on essaye de les identifier, je savais que ça allait compliquer la réception. Mais et puis compliquer mon travail aussi parce qu'en effet l'édifice est un peu compliqué. J'ai retranscrit les entretiens comme je disais tout à l'heure, je les ai découpés. C'est-à-dire que très très vite j'ai compris que ces voix il fallait qu'elles soient telles qu'elles étaient. Il fallait faire vivre ses amis. Il fallait que le livre soit vivant en fait. Et puis, en cours d'écriture, j'ai lu les années d'Annie Ernaux. Et Annie Ernaux fait cette chose très très belle. Elle tresse son récit avec deux types de niveaux de narration. Il y a des paragraphes composés à la troisième personne du singulier, elle, qui est elle-même. Et ce sont des descriptions de photos tirées de ses albums personnels. Donc ça donne « Elle est debout devant la voiture, flanquée de ces deux garçons ». Et puis des paragraphes conduits à la troisième personne du singulier neutre, le « on », dans lesquels elle décrit de façon très méthodique et très précise comment est-ce qu'on vivait dans les années 40, dans les années 50. C'est très beau, évidemment. J'ai trouvé ça très, très fort. Et j'ai compris surtout que je me devais de faire ça aussi, que la seule narration ne suffisait pas. Il fallait expliquer au lecteur comment ces gens vivaient. Qu'est-ce que c'est que d'avoir 25 ans, disons 25 ans, et d'être promis à une mort rapide et abominable. On est obligé de faire des choix. Des choix fulgurant et définitif, puisque tout est définitif. Voilà. Et moi, je ne trouve pas du tout que ça complexifie la lecture, parce que justement, avec ces voix, vous leur donnez à chacune une personnalité, une singularité, chacun a ses tics de langage. Il y a Gabi qui parle de lui au féminin, il y a Hervé qui dit tout le temps définitivement. Enfin, ils ont tous une particularité, et justement, c'est ce qui fait que ça rend
toutes ces voix extrêmement vivantes. Et puis vous intéressez beaucoup, vous attardez beaucoup sur les corps aussi, que ce soit des corps qui dansent, des corps qui font l'amour, qui se droguent, ou des corps qui souffrent. Donc il y a ça aussi, il y a ces hommes disparus, ils sont très très présents en fait par ce dispositif-là, par cette façon de raconter les choses. Oui, je crois aussi que ça c'est vrai, mais je crois que ça donne corps presque à la profondeur du temps. Et on voit aussi à l'œuvre la fabrication du souvenir ou au contraire cette détérioration. 5 ans après, déjà, il y a des personnages qui ne se souviennent pas de tout ou qui se trompent. Oui, bien sûr. Enfin, c'est vrai qu'ils sont. On a l'impression qu'ils sont tous devant nous. Et moi, je suis le premier à être touché par ça, puisque je l'ai fait exister d'une manière presque immortelle, quoi. Exactement. On va laisser Félix lire un nouvel extrait du livre. On avait la belle vie. On sortait guinchés, on s'amusait, on rigolait comme des idiotes jusqu'au moment où tout le monde a commencé à mourir. Joe, mon boyfriend d'anglais, le premier. Quand Jimmy m'a téléphoné pour me l'apprendre, je m'en souviens, j'étais seul dans l'appartement rue de Panama. Alex et Hervé étaient au boulot. J'étais au bout du fil. Jimmy m'expliquait que Joe était mort et d'un coup, j'ai réalisé que ce truc allait me tuer moi aussi. À partir de là, l'ambiance a radicalement changé parce que tout le monde crevait. On s'est tous mis à flipper. À flipper, putain. Mais putain, chacun à sa façon, hein, mais on s'est mis à flipper tous les trois en même temps et de la même chose. Tous nos copains mouraient. Il faut s'imaginer le truc, putain. Chaque semaine, on rayait un nom de notre carnet d'adresses. Comme ça pendant 2 ans, ou 3, peut-être 4, je ne sais plus. C'était délirant. Je ne sais pas comment on a fait pour tenir. Heureusement qu'on était ensemble, parce que c'était hyper abominable. Et puis, fatalement, les drames se sont accumulés, les maladies se sont enchaînées, Thierry est mort. Hervé est tombé gravement malade, et moi, je me suis réfugié dans la dope. Tous les copains se sont mis à la dope. Tout Paris s'est mis à la dope. Avec en plus un enterrement par semaine, on n'en pouvait plus. Le pire, c'est qu'on avait tellement la trouille qu'on n'arrivait plus à se faire plaisir. On était incapables. Et on se sentait coupable de ne pas y arriver, forcément. C'était insupportable. Et en même temps, il n'y avait rien à faire, puisque c'était la fin. L'après-midi s'écoule dans les mêmes températures estivales de cet étrange mois d'octobre. Je suis assis en tailleur sur le sol en coco chez Hervé, au milieu du salon. Par la fenêtre grande ouverte, on entend des gamins piailler, leur jeu de ballon, le bruit des pieds qui frappent et celui de la balle qui tape contre les façades et rebondit sur les pavés. Le soleil est tellement intense qu'il éblouit jusque dans la maison. Sa lumière brutale éclate sur les murs tout juste repeints, d'un blanc trop blanc, qui vibre. Presque aveuglant. Après ce déjeuner avec Solence pour le moins déconcertant, on s'est préparé une tasse de thé. Il flotte dans la pièce un parfum de peinture à l'acrylique et de jasmin. Hervé termine sa valise et, pour un peu, on croirait qu'on est en juillet et qu'il s'apprête à partir pour un pays lointain. Curieusement, il y a dans ce moment quelque chose de dépaysant. Depuis ma position centrale, assis par terre, je suis Hervé des yeux. Je le regarde, rempli d'émotions, se déplacer lentement, ou plutôt avancer à pas de fourmi, et aller du canapé au bureau, du bureau à l'armoire, et de l'armoire à la cuisine, de la cuisine à la salle de bain, et de la salle de bain au canapé, les épaules voûtées, le bassin affaissé, et les genoux pliés sous la charge des efforts qu'il est obligé de fournir pour effectuer le moindre geste, comme ouvrir une porte, un placard ou un tiroir. Ces petits gestes du quotidien qui sont devenus compliqués alors qu'il n'a que 31 ans. Et tandis que je regarde, avec un mélange de tristesse et d'adoration, mon ami se mouvoir dans sa vie minuscule, dans son corps rabougri, je pense à ces mots cruels qu'écrivait quelques années plus tôt un autre Hervé, autrement célèbre celui-là, dans un livre dédié à un ami qui ne lui avait pas sauvé la vie. Comme Hervé, l'écrivain l'a écrit dans son livre,
Hervé, qui lui dessine des bicyclettes et des machines à laver, n'est plus capable de courir après un autobus pour l'attraper. Depuis longtemps, il a dû abandonner son vélo sur lequel il aimait tellement grimper, comme il a dû renoncer aux longues promenades et faire une croix sur la piscine. Et s'il est toujours d'assez bonne humeur pour en rire, la maladie de jour en jour l'amoindrit en diminuant ses capacités. Non seulement elle fait fondre ses muscles et détruit ses organes, mais elle lui ronge également les os. Tant et si bien que, s'il avait voulu fêter sa seconde prothèse de hanche avec des bulles, Hervé, comme Hervé l'écrivain mort et enterré depuis, n'aurait plus suffisamment de force dans les doigts pour déboucher une bouteille de champagne. Je laisse Hervé terminer sa valise et vais dans la cuisine refaire du thé. La bouilloire mise sur le feu, je m'approche de la fenêtre. Il n'y a pas de vis-à-vis de ce côté de l'appartement, à l'arrière du bâtiment. Au loin, on voit les façades de la rue des Vinaigriers, et en bas, la vue plonge sur le toit plat d'un garage à bagnole d'un côté, de l'autre une zone qu'on croirait avoir été bombardée. Un immeuble haussmannien abandonné à l'entrée de la rue des Vinaigriers, à moitié démoli. Une dent creuse, couverte de graffitis qui s'ouvre sur un terrain vague fermé par des palissades. Le coin, à l'abri des curieux, est idéal pour le trafic. Les intéressés n'ont d'ailleurs pas tardé à se l'approprier. Tous les jours et jusque tard le soir, les camés viennent y chercher leurs provisions. On voit les dealers faire le pied de grue, adossé aux piliers. Plus pour longtemps, cela dit. Il paraît qu'on va bientôt construire à la place une maison de retraite. La vie est bizarrement faite. En quittant la cuisine, je m'arrête devant une photo en noir et blanc plaquée sur la porte du frigo avec un aimant. Un portrait d'Alex et Hervé, qui posent devant un mur de pierre, épaule contre épaule, en jean et t-shirt, Hervé avec une casquette. Les deux souriants, on dirait des frères. Ils doivent avoir à peine 20 ans. Cette photo, elle a été prise au château, un lieu de drague pédée archi-connu à Caen, près de l'université. C'était le château de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre. Mais oui, excusez du peu. Blague à part, comme tous ces lieux dans les années 70, c'était un mélange de drague et de tapin. Il n'y avait pas grand-chose dans le coin, du coup, tous les mecs de Caen et des environs le fréquentaient. Les ruines étaient bien pratiques pour les activités qui nous intéressaient. Alex n'avait aucun problème pour choper. Il n'était pas un canon de beauté à proprement parler, mais il avait quelque chose. Il avait un truc définitivement. Si un voyageur en attente de sa correspondance passait quelques heures en ville et qu'il montait au château, à tous les coups, Alex était là, et le type était pour lui. Il savait s'y prendre, c'était énervant. Il faut reconnaître qu'il forçait l'admiration. On l'entend bien, justement, à la lecture de cet extrait, c'est l'extrême jeunesse de ces garçons. Ça aussi, c'est quelque chose que vous vouliez rappeler, que tous ces hommes, vous dites, ils tombent les uns après les autres, les hommes tombent les uns après les autres, mais c'était des garçons, c'était des gens très, très jeunes. Je ne voulais pas le rappeler, c'était ce que c'était, ouais. Enfin, en effet. Comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir 25 ans et... En effet, être promis à cette fin. Oui, ils sont tous des provinciaux pour la plupart. Enfin, pour la grande majorité sont des provinciaux qui sont montés à Paris, ils ont quitté leur campagne, leur ville de province grise et plus ou moins homophobe pour monter vivre plus joyeusement leur ce qu'ils étaient. Oui, il y a des liens très très forts qui les unissent tous, et c'est presque, vous parlez d'une bande, mais c'est quasiment une famille. Et d'ailleurs, il y a des personnages qui, c'est Jeff, je crois, qui emploie ce mot, de dire qu'ils formaient une famille. Oui, c'est vrai, le mot revient souvent, on l'employait beaucoup, je sais pas, c'est vrai, mais parce que ces gens qui quittent leur famille biologique très tôt, souvent dans des conditions, enfin, voilà, souvent des liens déchirés, arrivés à Paris, on en tisse de nouveau avec des gens qui sont comme vous, qui se sont arrachés à leur famille. Et donc oui, les liens qui tissent sont plus forts que ceux qu'on a. C'est vrai. Ouais.
On va revenir sur cette question de la famille, justement. Mais avant, je voudrais qu'on revienne sur ce passage. Donc, il est question d'Hervé, un écrivain célèbre. Je pense que tout le monde l'a reconnu, Hervé Guibert. Vous le rappeliez au début de la conversation, le livre est dédié à Guillaume Dustan, donc deux auteurs très importants dans la littérature qui traite du sida. Je voulais savoir comment vous, avec 95, vous vous inscriviez dans cette littérature-là, par rapport au texte, par exemple, de Guibert ou de Dustan. Oui. Guibert, je n'ai vraiment pas voulu me poser son nom. Ça m'ennuyait. Non pas que j'ai... Enfin, je n'ai pas une dent ou rien contre Hervé Guibert, mais typiquement, dans ce contexte-là, c'est un écrivain qui ne s'adresse pas à nous. Il s'adresse au grand monde hétérosexuel. Il a compris, je crois, Hervé Guibert, qu'avec ce destin qui désormais était le sien après l'annonce de sa séropositivité, il fallait en faire quelque chose. Ça devenait un objet littéraire aussi. Ça lui permettait, ou ça lui permettrait, de devenir un grand écrivain. Ça, je crois qu'il y a un projet derrière... clairement. Donc c'est aussi pour ça que je voulais pas mettre son nom, parce que c'est pas un objet littéraire qu'on lit facilement quand on est soi-même concerné de cette façon-là et qu'on est plus jeune que lui, et voilà, on sait pas pour combien de temps on en a encore. Le fait est que le sida ne l'a pas donné à lire beaucoup de littérature. Plus exactement, inversement, la littérature n'a pas donné beaucoup de livres sur la question. Il y en a quelques-uns qui ont été écrits au moment, enfin au tout début de la décennie 90, mais c'était pour la plupart des gens qui étaient eux-mêmes en train de mourir. Je pense à Pascal de Duve, Cargolovi, Le Fil, Christian Bobin. Mais c'est des gens qui, voilà, le livre est paru, ils sont morts. Les Nuits Fauves, on connaît l'histoire, le film, il meurt juste après avoir reçu un César. Il y a Guerre que l'accompagnement de René de Secati, lui aussi paru en 95, donc écrit en 93, je crois, ou 14. C'est sur la mort de Gilbert Vedette. C'est très beau, d'ailleurs, en effet, mais il n'y a pas grand-chose, en effet. J'ai envie de dire, ceux qui auraient pu écrire après, ben, sont morts, quoi. Et après, moi, j'arrive en 2019 avec Comment tout a commencé. En effet, un moment où, après 50 ans, on peut, comme je disais tout à l'heure, on peut en parler plus calmement et avec de la distance ou de la hauteur. Ouais. Donc c'est pas une écriture de l'urgence, c'est pas du temps, c'est pas Guibert. C'est une écriture de la mémoire. Oui, c'est ça, beaucoup plus. Et cette année, on a lu quelques livres quand même. Il y a eu celui d'Anthony Passeron, ce premier roman, Les enfants endormis, qui a eu un certain succès. Il y a eu un livre d'une néerlandaise qui s'appelle Anna Berwetz, qui traite aussi de l'épidémie dans les années 90. Quand on s'est revu il y a quelques jours, vous en lisiez un qui s'appelle... Cousu pour toi. C'est un néerlandais aussi, un hollandais. Suisse. Donc il y a... Est-ce que le sujet... comment vous expliquez que la littérature s'empare aujourd'hui de cette épidémie? Oui, ou ses expositions, celles exposées au Palais de Tokyo, Elisabeth Lebovici, Ce que le sida m'a fait, son livre paru en 2017, Les années sida à l'écran, Didier Rod-Bettoni, pareil, 17, 18, un truc comme ça. Une autre exposition sur le sida s'ouvre en octobre à Strasbourg. Oui, c'est comme je l'ai dit au début, on est dans le champ historique et celui des archives et donc de la transmission. Et c'est le moment où on est tous à peu près de... On est un peu vieillissant et donc on peut commencer à faire ce genre de... Enfin, moi, à 40 ans, l'idée de transmettre quoi que ce soit ne me traversait pas l'esprit. Aujourd'hui, j'en ai 54. C'est réel, quoi. C'est présent dans ma vie. La vie me le rappelle tous les jours, d'ailleurs, que je m'éloigne. Il y a un autre personnage, on a parlé de toutes ces voix, de Jeff, de Gabi, de Denis, tous ces personnages qui apportent leur voix dans ce livre. Et il y a un autre personnage muet, très important dans 95, c'est Paris,
la ville, oui, ce lieu que le narrateur arpente dans tous les sens, plutôt les quartiers de l'Est et le Marais aussi. Et il y a toute une géographie qui se dessine dans le livre, une géographie parallèle, comme tous ces personnages vivent aussi une vie un peu en marge du monde, soit dans les bars, soit dans leurs appartements, soit dans les boîtes. Comment vous avez pensé justement cette présence si forte de Paris ? Alors c'est déjà très présent dans comment tout a commencé. J'ai grandi à Paris, je ne m'imagine pas vivre ailleurs et j'aime beaucoup cette ville et j'aime beaucoup lire l'histoire de cette ville aussi, et je me suis découvert aimant beaucoup l'écrire. Il se trouve aussi que j'étais enfant il y a longtemps, et donc le Paris d'alors n'existe vraiment pour le coup plus du tout. Il était tout noir, les métros, les sièges étaient en bois. Bon, c'était vraiment autre chose. Et, oui, j'ai vraiment aimé ça. Donc, quand j'ai commencé l'écriture de 95, je voulais que Paris ait cette même présence. Je ne savais pas encore comment je l'écrirais, mais en écrivant certains passages, comme la description du Marais tel que moi je l'ai traversé la première fois dans les années 80, c'était vraiment autre chose. C'était l'îlot insalubre numéro 14, Catherine pourra me... 16, ok. Voilà, je savais que j'allais être corrigé. l'un des derniers îlots insalubres, c'était vraiment on tombait dans une faille spatio-temporelle. On était dans le Paris des années, enfin, d'avant-guerre, en noir et blanc. On était soi-même en noir et blanc. Et je voulais aussi clore ce livre avec... en fait, je voulais faire un arc. Et donc, je voulais terminer ce livre avec le Marais tel qu'il est aujourd'hui. Je voulais le raconter aussi. Avec ses boutiques, avec ses belles façades, toutes tripolinées. Un mot, la ciel ouvert. Quoi. Oui. Et du coup, j'ai compris que... Bon, en fait, c'est une toile de fond. Quoi. Et ça n'a pas la dimension d'une fresque, mais c'est comme une toile de fond. Et puis, ouais, c'est aussi cette idée de faire un livre d'histoire. Quoi. Et donc, en effet, de la même façon qu'avec tous ces strates ou ces niveaux de narration, on perçoit la profondeur du temps, de la même façon, il faut que dans l'autre sens, on voit Paris passer du noir et blanc à la couleur. Mmh. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Oui, effectivement, ça donne de la profondeur. On voit ce Paris se transformer. Ça m'a évoqué aussi le livre de Sarah Schulman, La gentrification des esprits. Donc, c'est une autrice américaine et qui raconte à New York comment le fait que tous ces hommes qui sont morts, finalement, ça, c'était des artistes. Et finalement, le marché a profité de la mort de ces hommes pour réinvestir ces quartiers et... pour aboutir à cette gentrification. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le Marais, qui est devenu, comme vous le dites, un môle à ciel ouvert. Parce que ce qui est important aussi dans le livre, on le voit, c'est pour beaucoup, c'est des vies assez précaires. Ça aussi, vous le mettez en avant. On en revient toujours à la même chose. On est jeune, très jeune, voire très, très jeune, quand on est diagnostiqué, enfin, tombe ce test positif et qui change... Ça change même pas la donne, quoi. C'est idiot de dire ça. C'est dans un autre registre. Enfin bon, c'est même pas d'ailleurs dans quel registre on est simplement. Mais on comprend que plus rien ne peut s'aborder de la même façon. Donc on fait des choix et les choix c'est très simple. Et si on est en train de faire des études, est-ce que ça a du sens de poursuivre ces études? Est-ce qu'on échafaude des plans? Est-ce qu'on a de l'ambition? Est-ce qu'on fait, on dessine un plan de carrière? Je ne crois pas. En tout cas, moi, autour de moi, je n'ai pas vu ça. Alex, notamment, le personnage. Donc, alors Alex, lui, il a très vite compris que se mettre en arrêt maladie, arrêter de travailler tout simplement et profiter... Il a flambé 100 000, combien, aux États-Unis? C'était des francs, il avait touché une participation de chez Virgin qui s'élevait à 100 000 francs et il a tout claqué en un mois en Californie dans une chambre de motel. C'est pas mal, hein. C'est flamboyant. C'est ça, c'est flamboyant. Mais oui,
quand on a tout perdu, il n'y a précisément plus rien à perdre. C'est un peu idiot, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Ouais. Et c'est pour ça aussi, je parlais des appartements, mais c'est important parce que le narrateur, d'ailleurs, est en quête d'un appartement, d'un logement. Et tous ces garçons qui sont amis vivent les uns chez les autres. Et quand on parlait de famille, justement, tout à l'heure, ça prend vraiment du sens. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi, encore une fois, c'est un contexte plus large. C'est des temps, quoi. C'est le XXe siècle et il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de téléphone portable. Il n'y a qu'un répondeur... branché à son téléphone, d'ailleurs souvent c'est un appareil à part, et qu'on consulte le soir en rentrant chez soi. On peut les interroger à distance à la toute fin des années 2000, je me trompe peut-être, mais voilà. Donc en effet, on est beaucoup plus spontané, j'ai envie de dire. On sonne à la porte de ses amis parce qu'on passe devant leur immeuble et on n'hésite pas. Ce genre de choses se faisait facilement, quoi. De la même façon que le marais a sa fonction, il fédère. C'est-à-dire que la journée se finit, qu'on soit étudiant ou dans la vie active, on rentre chez soi, on pose son cartable ou sa mallette et on fonce dans le marais, on pousse la porte de son bar et on est sûr de retrouver la moitié de sa bande ou sa bande complète ou quelques copains ou des amants, des ex. Donc oui, c'est très très important ces lieux-là, à la fois les appartements et les bars et les boîtes. Et cette circulation, en fait, justement, entre tous ces lieux, elle donne énormément de rythme au livre. Alors pas, je sais que vous ne vouliez pas faire tomber dans le piège de la vie rapide, qui est une espèce de cliché souvent accolé à cette époque-là, mais ça donne quand même, ça donne du mouvement. Disons qu'on n'est pas dans un livre plombé, statique, il y a cette circulation. Oui, j'avais peur que ce soit le contraire, parce que je trouvais qu'il ne se passait pas grand-chose. Mais en définitive, c'est vrai, il se passe pas, mais je crois que c'est normal, il ne se passe pas grand-chose. Non, il y a Félix qui rigole. Félix, tu as un mot à dire, Félix? Non, je t'écoute. Non, mais oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai, on va chez les uns et chez les autres, on pose ses fesses sur un canapé, on boit une bière, on fume une clope, ça va, qu'est-ce que t'as fait? Bon, tu sors ce soir. C'est à peu près, voilà, c'est vrai. Et ça nous ramène à cette idée, parce que je trouve qu'elle est forte, elle est importante dans le livre de famille. On voit à quel point ils sont soudés, ils vont tous être ensemble. Dans les extraits qu'on a lus, il y a ceux qui disent bon, on ne peut pas laisser Lucien tout seul, et ils vont accompagner Lucien dans tous les moments extrêmement douloureux jusqu'à l'enterrement, aller à la morgue, faire le tri des affaires, et puis il y a l'enterrement, justement. Et c'est là qu'il y a le choc, le télescopage entre cette famille d'amis et puis la famille dite biologique, qui souvent empêche les amis d'avoir accès à leurs camarades morts, soit en leur interdisant l'accès aux chambres dans lesquelles ils agonisent, soit en faisant des enterrements, des espèces de mascarades, parce que c'est pas du tout la personne qu'ils ont connue qu'on enterre, c'est quelqu'un d'autre. Et la scène de l'enterrement que Félix va lire est très significative à ce niveau-là. Il y a un personnage qui dit « On ne nous laissait pas nos morts, on nous les confisquait ». Est-ce que ce livre, c'est une façon de justement les reprendre? Oui, je sais pas. Ou alors, au contraire, de peut-être d'expliquer... un peu tout ça, c'est vrai, mais je ne suis pas sûr que les gens savent que si on a le droit de se marier depuis 2013, c'est parce qu'en 1999, il y a le Pax, et s'il y a le Pax, c'est parce que précisément pendant des années, les gens, votre compagnon mourait dans des conditions atroces d'une maladie épouvantable dont on n'entendait pas plus parler que ça, puisqu'on était un peu rejetés. Eh bien, le survivant était foutu à la porte et se retrouvait sur le trottoir dépouillé parce que l'appartement était au nom du défunt et la famille du défunt débarquait avec un camion et vidait l'appartement sans complexe. Donc voilà, le Pax, en effet, il naît de ces, pour arrêter avec ces injustices-là. Donc c'était aussi un moyen de... Il fallait
il fallait être précis, je veux dire, il fallait aussi, ça s'est fait un peu à la fin, j'avais un peu oublié qu'il fallait cocher certaines cases. De la même façon, il fallait expliquer, et d'ailleurs il y a eu un espèce de malentendu, quand le livre est sorti, il y a eu beaucoup de voix, alors pas autour de nous, mais moi j'ai eu des échos de ça de 95, mais je croyais que 95 c'était déjà réglé, quoi. On pensait qu'en 95 la trithérapie avait déjà... Non, en fait, c'est la dernière année. Voilà, donc il fallait faire un paragraphe précisément pour expliquer que 95, non, c'est l'année, c'est l'année qui précède. C'est la dernière année, oui. Vraiment difficile. Ouais. Ouais. Enfin, ça n'a pas été simple tout de suite. Hein, mais, Et simplement pour revenir sur Paris et le Marais, l'histoire que vous racontez, il y a aussi tous les fantômes. On parlait des strates de temps, je voulais quand même revenir là-dessus. C'est qu'il y a beaucoup de passages dans lesquels vous parlez de ces quartiers. Et vous, par exemple, dans un des passages que Félix a lu, il y a une allusion aux jeunes hommes morts pendant la Première Guerre mondiale. Quand vous parlez du Marais, vous dites que c'est aussi évidemment, ça porte les marques des rafles, mais aussi des aristocrates guillotinés. Il y a tous ces fantômes qui viennent se mêler. Là aussi, c'était toujours dans la même idée de superposer les couches de temps et d'inscrire cette histoire dans l'histoire. Oui, c'est quelques bonnes lectures de sociaux m'ont fait prendre conscience et avec beaucoup de beauté. C'est quand on pense au Marais, on pense d'abord, alors ça dépend où on est, mais on pense, c'est un endroit de la ville où quand même il y a beaucoup de sang, ouais. Il y a beaucoup de sang. Il y a en effet beaucoup de têtes sont tombées, beaucoup de rafles de juifs ou de déportés qui ont fini, on sait comment, beaucoup de morts du SIDA. C'est marrant de le voir aujourd'hui, de se balader, de traverser ce marais. En effet, voilà, c'est ça, c'est que c'est gênant. C'est gênant, mais c'est très beau. Et je disais que 95, on pouvait se lire dans la continuité de comment tout a commencé. Est-ce que vous êtes parti pour un triptyque, une trilogie? Un livre sur la trithérapie. Drogue et trithérapie. Je sais pas. Est-ce que ce sera le mot de la fin? Drogue et trithérapie. Oui. Ce serait bien, oui. Pour terminer, on va laisser Félix lire un dernier extrait. La pluie s'arrête de tomber juste après qu'on a franchi le péage. Nous prenons la sortie Caen centre-ville pour nous engager sur une rampe qui dessine une ample courbe par-dessus l'autoroute et le temps d'arriver de l'autre côté. En l'espace de quelques secondes, comme par magie, je vois le ciel se dégager et le soleil se remettre à briller. Si encore une fois c'est un signe qu'on nous envoie, je suis incapable de l'interpréter. Coco rit à gorge déployée de tout ce qu'elle voit. Le troupeau de vaches qui broutent dans un pré, la publicité pour les fromages de Normandie, avec une légèreté que je n'ai pas. On laisse derrière nous le paysage champêtre pour traverser une de ces zones sordides et anonymes où poussent les mêmes halles aux chaussures et halles aux vêtements, halles aux meubles et halles aux affaires, halles aux tout et n'importe quoi. Au début, je trouve ça distrayant et dans la seconde, ça devient déprimant. Quelques minutes plus tard, on entre enfin dans la ville et très vite, je cesse de regarder par la vitre le défilé de HLM vétustes, de résidences et de pavillons glauques, les boutiques démodées et leurs vitrines poussiéreuses, ce monde étriqué, dont Alex s'est enfui pour venir à Paris et vers lequel on le reconduit coûte que coûte, les pieds devant. Je me tais, je n'ai plus envie de rien, je sens l'angoisse monter. Willy signale que nous avons une demi-heure de retard. En voyant ma tête, il ajoute pour me rassurer, avec un peu de chance, on arrivera avant le corbillard. Sauf que la chance n'est pas de notre côté, la place de l'église est vide, il n'y a pas une âme qui vive, mais le corbillard est bien là, scintillant au soleil devant l'entrée. La messe a débuté et personne n'a jugé bon de nous attendre, comme on aurait pu s'en douter. En descendant de voiture, on entend l'orgue qui s'élève, ses accords sombres et puissants vibrer jusqu'à nos oreilles.
Coco, les cheveux gominés et le front tapissé d'accroche-cœur, lève la tête et cligne des paupières comme si elle cherchait un soutien du ciel. Pas sûr que ça puisse nous aider. On grimpe les marches du perron en file indienne et une fois arrivé sur le seuil, c'est la stupéfaction. L'église est pleine. À l'évidence, tout ce beau monde ne s'est pas déplacé pour Alex. Trop tard. Maintenant, nous y sommes et le piège se referme. « Bon, » dit Lucien en remontant la fermeture éclair de son blouson. « Puisqu'il faut y aller, moi j'y vais. » Sa grande silhouette, en cuir de la tête aux pieds, s'engage dans la nef bravement. Jeff, dans le même uniforme, lui emboîte le pas en se grattant la nuque pour s'encourager. Gabi empoigne sa fourrure et se lance à son tour, la tête haute et l'air désabusé. Coco sur ses talons se tortille, en essayant de garder un minimum de dignité. Le curé interrompt son laïus en nous voyant avancer vers lui et se racle la gorge. Dans l'assistance, les gens se dévissent la tête pour nous voir passer. Lucien avait prévenu les parents d'Alex de notre arrivée. Les premiers rangs de la travée de droite sont libres. Mais il semble que nous n'ayons pas notre place ici parce qu'au moment de les atteindre, on se fait de nouveau remarquer. Comme si sentir l'hostilité de ces gens nous faisait trébucher, Coco s'en mêle les pieds et se les prend dans les agenouilloirs, entraînant tous ceux qui la suivent dans la foulée. Si le numéro de domino fait rire Willy, il n'amuse pas Coco, qui en entendant des gloussements dans son dos se redresse et s'écrie « Qu'est-ce qu'il y a ? Elle me cherche les bigotes ?» Alex avait passé sa vie avec nous, nous autres qui étions ses amis. Et malgré ça, fatalement, la famille biologique prend le dessus, toujours. C'est elle qui s'occupe du bordel, alors que, soyons sérieux, il serait plus juste que ce soit à nous de l'assumer. Devoir affronter cette réalité était choquant. Les gens dans l'église nous épiaient du coin de l'œil. Ils savaient qu'ils ne pouvaient décemment pas nous virer, mais à la limite, tu vois, s'ils avaient pu le faire, je crois qu'ils ne seraient pas gênés. Et puis cette cérémonie religieuse, non, vraiment, c'était à vomir. « Heureux ceux qui pleurent, » lance le curé d'un ton larmoyant, « car ils seront consolés. » Je le trouve un peu optimiste, personnellement, ce curé. Je le regarde, circonspect, baisser le front et reculer d'un pas, s'éloigner du pupitre pour laisser passer un silence, silence pendant lequel on entend les chaises crisser, des gens tousser ou éternuer. Après quoi, le curé refait le même pas en avant et reprend sa place. Son aube, qui ondule à 10 cm au-dessus de ses pompes, ne l'avantage pas. Willy se marre, les épaules secouées. Moi, j'hésite entre la colère et l'embarras. Je ferme les yeux pour me calmer. Mais quand j'entends le curé déclarer que c'est un enfant du pays que nous accompagnons dans sa dernière demeure, je sens un courant glacial me traverser. J'ai envie de me lever et de tous les insulter. Et comme je n'en ai pas le courage, je me raidis et j'écoute, abasourdi, ce type inventer la vie d'un Alexandre qui n'a jamais existé. Un enfant baptisé sur ce même autel, un fervent catholique qui toute sa vie sera resté fidèle aux valeurs de l'Église, un garçon bon et méritant, avec de nobles qualités d'âme et de cœur, que tout le monde pleurera, affirme le curé, à commencer par sa mère, que rien ne pourra consoler. D'ailleurs, il nous invite tous à prier pour elle. Je me tourne vers Willy. Non mais c'est quoi ces conneries ? Bof, dit-il en haussant les épaules, moi je trouve ça plutôt marrant. Hervé baisse la tête, affligé. Lucien serre les dents, aussi pâle qu'un revenant. Ces enterrements bidons, c'était un vrai scandale, parce qu'on nous ne laissait pas nos morts, on nous les confisquait. C'était terrible, comme s'il fallait rajouter du malheur au malheur. Les parents récupéraient la dépouille de leur fils, c'est normal, je ne dis pas le contraire, mais le fils était mort d'une maladie qu'ils jugeaient honteuse, alors ils se débrouillaient pour raconter à leur entourage un énorme bobard. Ils inventaient une cause de décès obscure pour échapper à l'humiliation et au déshonneur. Le pire, c'était quand le fils en question vivait en couple et que l'appartement était à son nom. C'était purement ignoble. Il fallait se dépêcher de mettre à l'abri le plus d'affaires possible avant que les parents débarquent avec un camion pour vider l'appartement. Combien de mecs se sont retrouvés du jour au lendemain à la rue, seuls et dévalisés? C'était de la folie. C'est de ces situations horribles qu'est né le Pax. Il fallait à tout prix reconnaître les unions et mettre un terme à ces injustices. Sauf qu'il aura fallu attendre 3 ans de plus pour aboutir à une proposition de loi. À travers un vitrail, un rayon de soleil plonge sur l'autel, le cône de lumière nimble cercueil,
ces arêtes de bois blond brillent. C'est beau comme une intervention divine. Quelle comédie. Je n'ose imaginer ce qu'Alès penserait de tout ça. Je regarde Lucien au rang devant moi et je suis presque certain qu'il est défoncé. Et pas que whisky coca. Gabi, assis à sa droite, serre sa fourrure contre lui et lève les yeux au ciel, livide. Prenons le temps de nous recueillir, propose le curé. Soudain, une nuée de violons s'élève sous la voûte de l'église. Une mélodie langoureuse et sucrée se déroule dans les airs. Le sirop finit par découliner sur nos têtes. On ne devine pas tout de suite, probablement, un de ces tubes adulés dans le monde entier, mais on se regarde les uns les autres, dépités, se demandant quelle est cette nouvelle plaisanterie jusqu'à ce que la voix éclate et qu'on reconnaisse Céline Dion. J'étais un puissant cri. Coco, ah ok, surprise, et Gabi tombe de l'œil. Il n'y a que Willy pour en rire. Je suis sorti de l'église quand j'ai entendu Céline Dion. C'était humiliant. Un déshonneur fait à la mémoire d'Alex. Je me suis barré de là et je suis allé me foutre dehors sur la pelouse. J'en avais ras la casquette de cette mascarade. Franchement, c'était n'importe quoi. Tout sonnait faux de bout en bout. Je riais intérieurement en m'avançant dans l'année pour aller signer le cercueil. C'est comme ça qu'on dit en français. Au cimetière aussi, les gens faisaient la queue pour jeter de la terre ou je ne sais quoi dans le trou. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je n'arrivais pas à croire à tous ces rituels, ni même à les prendre au sérieux. Le cimetière, oh là là, le cimetière. Tu parles si je m'en souviens. C'est là que j'ai craqué. Je n'ai pas supporté ce truc, le trou et le truc dans le trou. Oh, le truc dans le trou. Oh. Parce que moi, évidemment, je n'arrivais pas à la voir fermée, la boîte. Je la voyais ouverte. Je n'étais pas défoncé à ce point, mais disons que j'avais en tête l'image de la boîte ouverte que j'avais vue quelques heures plus tôt à la morgue. Avec en plus, si tu veux, les poignées de terre qu'on lui balançait dessus, j'avais la sensation d'étouffer. Je trouvais tout ça terriblement moche. Et puis trop vrai, quoi, trop là, très, très là. Tralala, là. Bon, et après tous ces événements éprouvants, j'ai eu hyper soif, forcément. J'étais hystérique. On est remonté dans la voiture et j'ai crié jusqu'à ce qu'on s'arrête dans un bar. Par chance, on en a trouvé un assez vite. Tout le monde a pris un perroquet, enfin, je crois. En tout cas, moi, j'en ai bu un. Ensuite, on m'a remis dans la bagnole et j'ai décidé de me taire. J'étais crevé. Sur l'autoroute, pendant le trajet du retour, à un moment, on évoque l'idée d'organiser une fête le soir même, mais on est tous épuisés. On a picolé non-stop toute la journée, donc on y renonce. Lucien conduit avec ses lunettes noires. Il fixe la route sans un mot. On est tous assommés. Il n'y a plus grand-chose à dire, de toute façon, c'est terminé. Lucien me largue je ne sais plus où en arrivant à Paris. Je m'engouffre dans le métro et je rentre chez moi. Bien entendu, au bout du compte, j'ai regretté de ne pas y être allé avec vous, mais j'étais sous l'emprise de ma patronne, qui, elle, ne pouvait pas comprendre. De son point de vue, quelqu'un était mort dans mon entourage, ça n'allait pas plus loin. Je n'avais pas osé lui dire qu'Alex était mort d'une overdose. Elle n'aurait pas pigé. Les seuls homosexuels qu'elle connaissait étaient des gens qui évoluaient dans un autre milieu, et principalement celui du théâtre. Sauf que les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles le paraissent. Je ne suis pas certain qu'elle ait eu conscience, par exemple, que son meilleur ami, un directeur de compagnie qu'on avait retrouvé mort dans une chambre de bonne, ligoté au montant du lit, avait de toute évidence été assassiné au cours d'un plan sadomaso par un mec rencontré sur Minitel, un scénario façon Pacadie. Ce type n'était pas très beau, mais il était gentil, discret, et bien sûr, il faisait très propre sur lui. Autrement dit, c'était tout le contraire d'Alex. Et pourtant, enfin, pour moi en tout cas, Alex avait quelque chose de superbe. Un panache que les gens ordinaires n'ont pas. Ce sera un livre avec des photos parce que je pourrais te les retrouver, les Polaroids qu'ils m'ont envoyés des États-Unis. Tous les deux, avec leur petit chapeau de clown sur la tête, en train de jeter des paillettes en l'air dans leur chambre de motel. Merci.
Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'il y a une séance de signature à l'issue de cette rencontre. Merci. Bonne soirée.